Assalamu alaikum. Vous m'entendez? Ok, allô? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Très bien. Il reste pas beaucoup de temps. Ça a commencé dès maintenant. Pas attendre les semaines. Vous rappelez donc de l'architecture protocole TCP/IP. Il y a quatre couches. Il y a la couche réseau laquelle on est en train de parler, comporte trois protocoles. OP, voire la dernière séance, protocole ICMP et le protocole IMP. Je vais d'abord parler rapidement du protocole IMP avant de présenter le protocole IMP. Brièvement. IMP, donc, comme je l'ai dit une fois, il sert à gérer et à la diffusion de groupes, à la gestion, par exemple, de la vidéoconférence, le cours que je vous donne à ce moment-là en ligne. Donc, il y a un groupe de gens, moi-même et tous. Derrière tout ça, il y a IMP qui gère cette parce que je suis en train de vous envoyer des messages comme vidéo et souvent vocal, et parfois même sans texte. Ce que j'envoie comme message, le message à chaque fois que je vous renvoie, donc sous forme de type, il est envoyé en multi. Non. Le message est envoyé à tout le monde, sans dans le groupe. Et qu'est-ce qui fait ce que quelqu'un de vous, bon, on va commencer par le départ. Lorsque donc j'ai programmé cette réunion, rapprocher le micro, lorsque j'ai programmé cette réunion, c'est bien comme ça? Lorsque j'ai programmé cette réunion, je suis affecté une adresse de groupe de classe D, de classe D. Et qu'est-ce qui m'a fait affecter cette adresse de groupe? C'est le protocole IGMP. C'est le protocole IGMP. Et à chaque fois que vous, que l'un d'entre vous se connecte au groupe, il se voit lui aussi affecter cette même adresse de diffusion de groupe. Pour que à chaque fois donc que je vous envoie un message de différents types, le message que je vous envoie, il contient une adresse de diffusion de groupe pour que le message soit diffusé à tout le monde dans le groupe. Et tout ceci est géré par le protocole IGMP. Ensuite, IGMP aussi, au niveau des différents routeurs, il y a une mise à jour pour que les routeurs sache faire le routage vers chacun de vous. Il y a quelqu'un qui ne m'entend pas. Je ne sais pas, est-ce que c'est elle-même ou bien je réponds pour qu'elle trouve au niveau.
Alors donc, IGMP, donc il gère tout ce qui est donc les divisions de groupe. Je vais pas donner donc trop de détails, ça c'est pas le but de ce module-là, mais il faut savoir à quoi il sert. Donc il se trouve dans la couche réseau, il travaille avec le protocole IP et c'est lui qui permet de gérer l'appartenance à un groupe, de leur donner une adresse de classe D qui servira à la division de groupe. Voilà pour ce qui est du protocole IGMP, juste pour information. Quand on va passer au protocole ICMP, qui lui-même aussi travaille avec le protocole IP. À quoi sert le protocole ICMP? Il sert à rapporter toute erreur reliée au routage et autres choses. Donc, lorsqu'il y a un problème d'accessibilité vers un site, on n'arrive pas donc à lui remettre un message parce qu'il n'est pas allumé, il est éteint, il est injoignable, tout le reste. C'est ICMP qui va rapporter à l'émetteur ce problème. Lorsque vous, on vous voit, vous voyez, lorsque par exemple, vous avez le message site inaccessible, ICMP qui vous affiche ce message parce que le site n'est pas allumé. Donc, on va présenter brièvement le protocole ICMP. Est-ce que vous voyez donc l'affichage du protocole ICMP? Donc ICMP, c'est un protocole qui rapporte des erreurs concernant notamment le routage. Internet contrôle message protocole. Donc, ICMP, il fournit donc des commentaires qui sont affichés sur votre écran lorsqu'il y a des problèmes liés donc au routage des paquets. Lorsque le protocole IP, justement, le protocole IP n'arrive pas à remettre un message, un paquet IP à un destinataire, il va contacter ICMP pour lui dire, prépare-moi un message lié à ce problème-là. Donc, il peut y avoir plus de problèmes. Bon, pour IPv4 qu'on est en train donc de présenter, il s'agit de ICMP V4, pour IPv6 et ICMP V6. Oui, donc c'est avec des codes, bien sûr, oui, avec des codes. Pour chaque cas d'erreur, il y a un code. Et ce code-là, donc il est reçu par l'émetteur du paquet, donc IMP vous envoie un code, un message avec un code. Et lorsque votre ordinateur reçoit un message codé, un message IMP, bien sûr le message IMP il est encapsulé dans la partie IP, à votre niveau, il y a une table, pour chaque code, il y a un commentaire. Il y a une table, un tableau dans votre machine. À chaque code, il y a un message, un rapport qui explique c'est quoi le cas d'erreur. Quelques cas d'erreur qui sont communs à ICMP V4 et ICMP V6, c'est le premier cas d'erreur, c'est lorsque une machine n'est pas accessible, soit qu'il est en panne, soit qu'il est éteint, soit débranché. Donc, le routage, il est bien fait. Les routeurs arrivent à router les paquets que vous leur envoyez. Lorsqu'ils arriveront à côté donc, de ce site-là, le dernier routeur, donc, avant d'arriver à ce site, le routeur, donc, n'arrive pas à jouer à ce site, c'est un voisin, le voisin qui est le dernier routeur, s'il n'arrive pas à communiquer avec lui, il génère un message ICMP codé avec le code correspondant à un problème d'accessibilité,
un autre. Il vous il récupère votre adresse IP, il vous prépare un message DMP, il vous le renvoie dans le sens inverse. Il y a aussi des services qui sont inaccessibles. La machine elle est bien accessible, mais le service il est non accessible. Il y a aussi le délai dépassé, bien le TPL expiré. Si vous vous rappelez, donc, il y a un champ dans le IP qui indique le nombre de sauts ou bien le nombre de routeurs par lequel votre partie IP sera autorisée à passer. Si on met par exemple 5, TPL égale à 5, lorsque votre ordinateur émetteur envoie un message, il ne peut dépasser 5 routeurs avant l'arrivée au récepteur. Si le chemin qui vous remène vers le récepteur dépasse 5 routeurs, eh bien, votre paquet sera écrasé. Parce que chaque fois que votre paquet passe par un routeur, la valeur du TTL est décrémentée à chaque fois d'une seule unité. Comptée de 1. Lorsque vous envoyez votre paquet au premier routeur, et votre passerelle par défaut, le TTL devient 4. Lorsque votre routeur l'envoie à un autre routeur, il devient 3, et ainsi de suite. S'il est reçu avant qu'il ne devienne égal à 0, c'est bon, tant mieux. Mais s'il est égal à 0 avant que votre paquet n'arrive au récepteur, le paquet est écrasé par le routeur lui-même. Il voit que le TTL a atteint la valeur 0, mais il va quand même générer un message ICMP codé où le code est associé au problème du TTL qui a expiré. Donc, le message est envoyé à l'émetteur du paquet qui a fixé le TTL à 5. Et dès qu'il voit que ces paquets sont écrasés parce que leur TTL a expiré, il va augmenter la valeur du TTL pour que le paquet puisse avancer plus en avant à travers le chemin qui vient vers un récepteur. Bien sûr, il est connu pour des raisons de sécurité. Il est connu que le protocole ICMP il est désactivé. Donc les messages d'erreur ne sont pas obligatoires. Donc l'émetteur n'est pas obligé de connaître pour quelles raisons ces paquets n'arrivent pas à atteindre un site donné. Donc parce que ICMP, lorsqu'il est activé, ça permet à des attaquants de découvrir l'architecture du réseau, de connaître certains routeurs. Et donc, ICMP, dans un réseau très sécurisé, il est désactivé. Donc, il y a des problèmes. Il y a ce que vous connaissez, le ping. Le ping, c'est un test. C'est un test pour vérifier est-ce qu'on arrive à joindre une machine. Eh bien, le ping, pour tester, est-ce qu'il y a une erreur, il y a des erreurs de connexion ou pas. Et donc, derrière le ping, c'est le protocole ICMP qui permet de faire communiquer deux sites afin de voir est-ce qu'il y a accessibilité ou pas. Et bien, ça, ce que vous voyez affiché lorsque vous faites un ping, c'est ICMP qui est derrière. Okay. Bon, ça, on va en passer, on va... Donc ça, je viens de dire, le ping, lorsque vous affiche que ça a été bien reçu, c'est le ICMP qui affiche ceci. Si vous affiche qu'il y a un problème d'accessibilité, derrière aussi, il y a le ICMP. Bon, ça, on n'a pas vu ça en TP. Lorsque vous voulez tester votre carte réseau, vous allez tester est-ce qu'elle est bien configurée en ping vers l'adresse 127.0.0.1. Ça, c'est... appelle la boucle locale. Bon, ping et passage par défaut, on a déjà fait pour tester ce que vous êtes obligé de votre passage par défaut. Marquez ici l'adresse de la passage par défaut, ils ont pris la dernière valeur. Ici, on prend toujours soit la première, soit la dernière. Dans cette configuration, la passage par défaut vous a donné la dernière valeur, celle avant l'adresse de division, la 254. Vous voyez ici. Ça, c'est le ping classique vers un site distant. Maintenant, on va voir la commande traceroute. C'est intéressant. La commande traceroute,
permet de vérifier et de connaître la route par laquelle passe le message pour rejoindre un site donné. La commande transroute, on peut la lancer à partir d'un routeur. C'est le cas ici, comme vous le voyez. On écrit la commande transroute et l'adresse IP d'un site donné pour voir par quel routeur passeront les paquets à la destination. Ici, on voit que le prochain saut à partir du routeur R1 va passer par le routeur 192.168.10.2. Ce routeur-là, pour joindre la machine 40.2, elle va le donner au routeur 20.2. Le 20.2, il l'a donné au routeur 30.2. Et enfin, le dernier routeur l'a donné au site 40.2. Voilà donc le chemin parcouru par les messages envoyés à partir du routeur R1 vers le site 192.168.40.2. Ça permet d'afficher la route passant par les différents routeurs pour arriver à la réception. Oui, peut-être, oui. On va l'essayer justement maintenant. On va l'essayer. Je vais faire après pour expliquer le principe du fonctionnement de Transroute. Il est basé sur le TTL. Il est basé sur le TTL. Et on va faire un exemple avant de expliquer le principe de fonctionnement de Transroute. Je vais faire apparaître ce schéma. Donc voilà. Voilà. Donc, supposons que le poste, l'un de ces postes va lancer un transroute vers le 1.2. Ici, vous êtes sur le poste 001. On veut faire transroute vers la machine 192.168.1.2 qui est là, celle-là. D'accord. Qu'est-ce qui se passe en fait? Le transroute, la commande transroute, va faire appel à la commande ping. Je répète. Transroute, derrière la commande transroute, il y a la commande ping. Qu'est-ce qui se passe alors? Transroute lance un premier ping avec un TTL égal à 1. Je vais écrire ici pour mieux comprendre. Donc, ce transroute, voilà ce qui se passe avec transroute. Hein. Donc, il va y avoir un ping vers la même adresse. Avec un TTL égal à 1. Donc, on va lancer la commande ping vers la même adresse qui a été tapée après la commande transroute avec TTL égal à 1. Qu'est-ce qui se passe? Ce message va arriver ici. Va arriver ici, au routeur. Le routeur le reçoit. Qu'est-ce qu'il fait le routeur? Répondez-moi, que fait le routeur dans ce cas-là? Je reçois un message n'importe lequel, il est ping avec TTL égal à 1. Répondez. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Que fait le routeur après avoir reçu ce message avec TTL égal à 1? Voilà, c'est bien, ça va, il va décrémenter TTL, il va mettre TTL moins 1. Il va décrémenter TTL. TTL, il devient alors égal à 0. C'est bien bouta, il devient égal à 0. Et le routeur qui est là, le routeur qui est là, ce routeur-là, le
hauteur R, on va dire de hauteur R1, il va envoyer un message ICMP, il va envoyer un message ICMP pour dire qu'il y a un problème, qu'il y a un problème de TTL qui est égal à 0. Qu'est-ce qu'il va répondre? Il va répondre à l'émetteur qui a lancé la commande ping. Il va mettre alors le hauteur R1, va mettre alors son adresse IP. Ainsi, ce PC, il connaît l'adresse, ça passera par défaut, qui est déjà connue en fait. Hein. Là, c'est déjà connu. Mais quand même, il va s'assurer que celui qui répond en premier, c'est moi, va passer par défaut. Donc, il y aura l'adresse de R1. Après cela, donc celui qui a répondu, c'est pas celui-là. C'est pas le 1.2. C'est autre chose. Ça passerait par défaut. Alors, le PC, il va lancer un deuxième ping. Il va lancer un deuxième ping, le même ping, vers la même adresse, OK. Mais avec TTL incrémenté de 1. Donc, il devient égal à 2. Voilà. Donc, ce ping-là, le nouveau ping, le deuxième ping, il va aller au même PC. Arrivé à R1, qu'est-ce qui se passe? Il devient égal à 1. Arrivé à R2, il devient égal à 0. Là, il devient égal à 0. Il arrive à R2. Et comme il s'arrête au niveau de R2, R2 va répondre par un message TMP rapportant un cas d'erreur, parce que TTL est devenu égal à 0. Et donc, en répondant, il va répondre, bien sûr, il va répondre jusqu'au PC. Il répond au PC. Et le PC va ainsi connaître l'adresse IP du deuxième routeur qui est derrière sa passage par défaut. Parce que celui qui a répondu, ce n'est pas le 1.2 pour le moment. C'est l'adresse autre que le 1.2. Si ce n'est pas la même adresse, 1.2, il va encore envoyer un troisième ping. Il va envoyer un troisième ping avec TTL, égal à 3. TTL égal à 3. Troisième TTL va bien sûr aller, il va aller PC, arrive à R1, il devient égal à 2, arrive à R2, il devient égal à 1, il arrive à R3. TTL devient égal à 0. Un cas d'erreur, le paquet sera écrasé et il répond par un message TMP, soit PC qui a envoyé le ping pour lui dire que ton paquet est écrasé parce que le TTL était devenu égal à 0. Et donc ainsi le PC connaît l'adresse IP du troisième routeur. Il connaît l'adresse IP du troisième routeur. Et donc, comme celui qui a répondu, ce n'est pas le 1.2, le PC envoie encore une fois un quatrième ping avec un TTL égal à 4 cette fois-ci. Il répond à chaque fois. 4. Le ping avec TTL égal à 4 démarre du PC, arrive premier routeur, il devient 3, arrive deuxième routeur, il devient 2, ici il devient 1, et donc le routeur 1, il va l'envoyer parce qu'il n'est pas égal à 0, il va le remettre à ce PC. Et à ce ping-là, le PC va répondre. Le PC va répondre normalement vers le PC émetteur, et comme la réponse, elle est venue du 1.2, celui pour laquelle j'ai mis trace route, c'est bon. Mais ainsi, ça m'a permis de connaître la route par laquelle est passé mon message. Voilà comment fonctionne le trace route. Bon, je vais répondre à certaines questions. Il y a des questions. Bon, pour
Michel, tu as dit que pourquoi ne pas augmenter TTL pour atteindre directement le Saint-Air. Mais non, mais c'est fait exprès pour connaître chaque fois l'adresse IP des différents routeurs qui vont m'envoyer un message TCP parce qu'il y a erreur. C'est exprès. Le TTL est incrémental pour que je puisse connaître l'adresse IP des routeurs par lesquels je passe pour rejoindre le 1.2. OK? Même chose pour Gulp. C'est exprès. On incrémente le TTL par 1 pour connaître quel est le routeur qui est derrière ma passerelle par défaut à chaque fois. OK? Oui, c'est lent, mais c'est fait exprès. Si j'envoie un ping avec un TTL qui est assez important, le PC 1.2 va répondre, mais sans connaître les routeurs par lesquels je suis passé. Les routeurs par lesquels je suis passé ne vont pas réagir parce qu'il n'y a pas eu d'erreur. Ils ont reçu un ping, ils ont routé vers le PC 1.2, il va y avoir une réponse et c'est bon. Mais il est fait exprès de provoquer un cas d'erreur de TTL égal à 0, de délai dépassé, pour que je puisse connaître les routeurs qui me répondent. OK? C'est clair? OK. Maintenant, on va passer au test donc du ICMP à travers donc Transroute. Donc, je vous demande de lancer votre navigateur, votre invite de commande, invite de commande donc CMD. Faites-le. Je vais vous le faire partager. Vous voyez l'invite de commande et vous faites lancer aussi. Est-ce que vous voyez le partage? Oui, monsieur. OK. Alors, la commande Transroute sur un PC s'écrit différemment. Ce n'est pas la même chose qu'avec un routeur. Sur un routeur, je vais l'écrire en majuscule pour que ce soit plus clair. Trace RT. On écrit trace RT, hein, pas trace route. Sur un routeur, on écrit trace route, comme on l'a vu. Sur un routeur, c'est trace route, comme ça. Et l'adresse IP. L'adresse IP d'un certain site. Et sur un PC, on écrit trace RT. L'adresse IP, je vais par exemple vous donner l'adresse IP du site de l'USTHP pour voir par quel routeur on passe. Combien de routeurs on va passer pour joindre le site de l'USHB qui a la valeur 193.194.89.19. C'est le site de l'USHB. Je tape trace route. Voilà. Un premier ping qui a été envoyé. C'est mon routeur ADSL. Deuxième ping, troisième ping, voilà. Jusqu'à arriver. À chaque fois, il y a un ping avec un TTL égal à incrémental. Lorsque le site USHB m'a répondu, là, il m'a répondu à mon ping. J'arrête. Il n'y a plus de nouveau ping envoyé parce que j'ai pu joindre mon site. Mais pour joindre mon site, passer partout par sept routeurs. Hein. C'est beaucoup sept routeurs. Remarquez. Bon, le premier routeur, c'est clair. C'est votre routeur ADSL à la maison. C'est le 72.8.1.1. ADA 105.100.0.1, c'est sûrement le prochain routeur d'Algérie Télécom. Okay. Ensuite, il y a un routeur 10.103.116.21. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. 172. ADA, c'est à l'USHB, je le sais. 172.17.116.0, c'est un routeur de l'USHB. Il a donné un autre, 25. Ensuite, le 17, je ne sais pas où est-ce qu'il est à cette année. Arriver au site de l'USHB. Okay. Donc à l'entrée de l'USHB, il y a quand même quatre routeurs qui vont répondre. Hein. Quatre routeurs. Voilà. Les autres,
Est-ce que vous avez essayé un ping, un trace route vers un site donné, puis vers le CHB? C'est donné les mêmes. Ah, c'est les mêmes. Ok. Et les autres? Il n'a pas pu joindre. Il faut refaire. Faire d'abord un ping. Sinon, il faut faire d'abord un ping. Est-ce que vous pouvez joindre le site, ensuite faire trace route? Il y a communication. Je vais faire d'abord un ping pour tester est-ce que je peux communiquer avec un site donné. Là. Voilà, je peux donc communiquer avec le site de THB. Ensuite, refaites trace route. Il y a aussi cette route pour Mahari. C'est les mêmes adresses ou bien il y a autre chose? C'est moteur 99. Oui, tout dépend de la région. Tout dépend où est-ce que vous habitez. Donc, le routeur d'Alger Télécom, de votre région, votre commune, ou bien je ne sais pas où, n'est pas sûrement le même. OK. Donc, pour Marabak, c'est le 99. Le prochain routeur pour Marabak, c'est le 99. D'accord. Et les autres, quelle est l'adresse du routeur, du prochain routeur, un des deuxième? Donnez-moi la valeur que vous avez pour ce que ça marché. Le Roma, c'est la même adresse. Tu habites où, Rohoma? Dans quelle région? Où est-ce que tu es? Vous savez, c'est la même aussi. Ok. On est assez pour. J'ai fait le ping, pardon. Hein? Oui. J'ai fait le ping, j'ai toujours des délais d'attente de la demande dépassée. Et donc, tu as un problème de communication. Donc, change de site, change de site. Vous pouvez faire Google là. Elle est beau, là. Tu es dans quelle région? Elle est Bota. Dans quelle région? On est proche. On est proche. Non, on est loin quand même, mais hein. Il y a d'autres qui ont l'adresse 98, donc à Baoub. Il y a Sabarachou 200, donc c'est autre chose. Okay. Donc tout dépend des régions. Faites un ping vers Google, par exemple. On va pinguer vers, par exemple, n'importe quel site à l'extérieur, à l'étranger. Pardon, plutôt trace route. Hein? Trace route. Bon, remarque. Hein? Bon, il y a un 102. Il y a un 100. Tout dépend, donc, tout dépend ce qu'on est. On peut bien sûr faire trace route en tapant l'URL d'un site, hein? Voilà. L'URL d'un site. USHP.dz. Voilà, par exemple. On peut taper le nom du site sans taper l'adresse IP. Ça veut dire de chercher l'adresse IP, hein? Voilà. Vous voyez? Vous pouvez taper l'URL d'un site. Au lieu de l'adresse IP. Si vous oubliez l'adresse IP, vous ne la connaissez pas, tapez directement l'URL. Vous tapez trace route vers Google. Vous levez google.com. Voilà. Je passe toujours par mon routeur. Ensuite, le routeur d'Algérie Télécom. Ensuite, encore un autre d'Algérie Télécom. Et là, ça change. 12. 108 et tu es arrivé au routeur de Google. C'est Google avec l'adresse 216.58.98.8. Donc il vous donne quand même l'adresse IP de Google là. Être assis. Tu as posé une question. Lorsque il y a un problème d'accessibilité vers un site donné, parce que le TTL est égal à 0. Le TTL, où il a fait un 0, plutôt le routeur qui a mis TTL à 0, il va répondre par un message TMP. Qu'est-ce qu'il va répondre? Il va mettre son adresse IP. Oui ou non, être assez. Lorsqu'un certain routeur, après avoir décrémenté TTL, il le met à 0.
il va générer un message CMP. Il va envoyer à l'émetteur. Et dans ce message CMP, il va mettre son adresse IP. Oui, si c'est arrivé, on peut changer dans cette TL par des commandes système. Oui. Est un problème d'accessibilité égale. C'est un problème. L'acte ICMP est bloqué à ton niveau, je ne sais pas, il y a un problème donc de... On pique parce que si ICMP est bloqué, ping ne marche pas. Si ICMP est bloqué, le ping ne marche pas. Il y a un pare-feu, un antivirus qui bloque les pings, qui bloque ICMP. Comme je l'ai dit, ping est une source d'attaque, c'est un moyen d'attaque. Plutôt ICMP en général. ICMP, c'est un moyen d'attaque. Comme vous le voyez, et comme ici un P n'a pas été désactivé sur ce site-là, ils m'ont répondu. Donc tu peux connaître les routeurs. Connaissant ces routeurs-là, pour un attaquant, il peut faire des attaques. Donc apparemment, tous les routeurs par lesquels je suis passé et qui m'a répondu ne sont pas protégés. Les routeurs qui m'ont répondu ne sont pas protégés. Hein. Vous pouvez essayer votre passe-route sur pas mal de sites pour voir à chaque fois par où vous passez. C'est bon pour Transroute. Ok. Alors, je vais... on va revenir donc au protocole IP pour terminer ce chapitre-là à travers une petite démonstration. Donc on va faire une petite architecture. Voilà donc l'architecture que vous la voyez. Et voilà, donc j'ai fait une architecture que vous allez faire en TP prochainement, où chaque réseau local est relié par son propre routeur. Ici, j'ai mis l'adresse pour ce réseau local, pour le premier réseau local, 100.100.100.0/24. J'ai mis 200.200.200.0/24 aussi. C'est un réseau local. Et entre les routeurs, j'ai mis 150.0/30. Les deux équipements, j'ai mis ceci. Si tu fais un ping, ça marche. Ping d'un PC vers le routeur. Comme vous voyez, ça marche. Là aussi, ça marche. Et les routeurs entre eux peuvent communiquer. Comme vous le voyez, ça marche. Mais si je ping d'un PC un autre de aux réseaux locaux, ça marche pas. Vous voyez ici, donc il y a échec parce que on n'a pas fait le routage. Là, il faut faire le routage. Mais bon, c'est clair. C'était un peu rapide. La communication ici marche très bien dans le réseau local 1. Dans le réseau local 2, c'est pareil. Les équipements peuvent communiquer entre eux. Entre les routeurs, c'est le réseau point à point, ça marche. Mais d'un réseau local à un autre, ça ne marche pas. Il manque le routage. Je vais vous faire le routage rapidement. Vous allez l'utiliser en TP. Et c'est surtout aussi pour voir le contenu des messages au niveau du protocole IP. Hein. On va faire deux choses en même temps. Alors, ce réseau-là, pardon, ce routeur-là, qu'est-ce qu'il connaît comme réseau? Répondez-moi. Qu'il connaît comme réseau le routeur R1. Répondez, qu'est-ce qu'il connaît comme réseau? Ok, Mahari, c'est... Ok, Bouta, c'est bien. Les autres, répondez. Voilà, Mahari, c'est bon.
Sabarajou, oui, c'est ça. Oui, donc voilà, donc il a répondu pour tout le monde, et pour aussi. Donc c'est, il connaît le réseau local, bien sûr, 100.0 pour lequel il est membre, il est branché au switch. Il connaît le réseau point à point, il le relie au routeur 2, à deux des réseaux, il les connaît. Donc toute communication vers ces réseaux, il sait comment faire. Donc c'est des réseaux qui sont connectés directement à ce routeur. Et même chose pour le routeur R2, il connaît le réseau 200 et le réseau 150. On va vérifier la table de routage de R1 par exemple. On va le faire graphiquement. Voilà. Remarquez table de routage de R1. Voilà. Qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît le réseau 100, 100, 100.0, 124, qui est connecté directement via la lettre C ici. Il est connecté via, il est joignable via l'interface F00. F00, celle-là. Il connaît aussi le réseau 150, 150, 150.0, 130, qui est joignable par l'interface F01, et qui est un réseau connecté directement au routeur. Et donc, avec F00, vérifie, voilà, c'est F01. C'est bon? Si on va afficher table de routage par la commande, par la vue de commande, on va faire CLI ici et P Power IP route. Voilà. Donc, il y a deux réseaux, deux réseaux connectés directement. C'est le réseau 100.0 et le réseau 150 qui sont directement connectés. Et je vais aller vers l'interface 0.1. C'est bon ici? Même chose pour R2, on va pas le faire, c'est la même chose. Donc R1 pour le moment ne connaît que le réseau auquel il est membre, auquel ils sont branchés directement à lui. Donc le routeur R2, le routeur R1, est-ce qu'il connaît le réseau 200? Évidemment, non. Donc c'est pour ça que lorsque vous lui remettez un message destiné au 200, il ne sait pas quoi faire. Il va l'écraser. Il ne sait pas quoi faire. Parce que lorsqu'il reçoit un message qui contient comme adresse IP pour la destination égale à 200, il va venir à la table de routage. Est-ce que je connais? Je vais chercher l'adresse 200. Là, c'est 100. Ce n'est pas la bonne destination. D'ailleurs, c'est 200. Ce n'est pas la même, la bonne destination. Il y a deux routes dans sa table de routage. Il n'y a que deux routes. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il va écraser le paquet. Il n'y a pas de route par défaut. Il n'y a pas aussi de route par défaut. Alors, pour cela, il faudra informer, R1 pour lui dire quoi? Pour lui dire que si tu reçois un message destiné au réseau 200, à qui il doit le remettre? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Tu vois qu'on lui dire, si tu reçois un message destiné vers le réseau 200, 200, 200, à qui il doit le remettre? Voilà, c'est bien. Il y a Baraka qui dit il va le remettre à moi. À toi ou bien au routeur R1. C'est bien, donc c'est. Maintenant, on parle du routeur R1. On est sur le routeur R1. Et Baraka, on est sur le routeur R1. Donc c'est le routeur R2. Voilà, c'est bien, tout le monde a répondu. Et ceci, on va le faire à travers la configuration du routage. Comment faire la configuration? Bien sûr, on va passer en mode privilégié, enable, voilà. Ensuite, on passe en mode de configuration globale, c'est plus rapide. Hein. C'est ici qu'on va configurer le routage. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà la commande. C'est IP route. Voilà, je vous ai envoyé le TP. Il y a la commande qui est là. IP route. Alors, bon, si j'oublie, tape le point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut taper l'adresse IP du réseau qu'on veut lui faire apprendre. Donc, c'est 200.200.200.0 et le masque. Hein. Il y a quoi par la suite? C'est le masque. Si on oublie, tapez le point d'interrogation et vous dit, tapez encore le masque. Le masque, c'est 255.255.255.255.
3 fois, point 0. Qu'est-ce qu'on tape ensuite? On tape l'adresse IP du prochain routeur. Voilà, forwarding router's address. Donc, c'est le prochain routeur qu'on tape ici, l'adresse IP du prochain routeur. On peut taper aussi l'adresse IP de la sortie. Pardon, on peut taper le nom de, de l'interface de sortie aussi. Là, on va faire, allez, je vais faire l'adresse IP du prochain routeur, qui est le routeur R2. Le routeur R2 a l'adresse 150.150.150.2. Parce que le point 1, c'est le routeur R. Voilà. Hop, voilà. On va vérifier les adresses. On va vérifier l'adresse. Là, c'est le routeur R1 de l'adresse, comme vous le voyez, 150.1.1.1. Là-dedans, 150.2. Alors maintenant, après avoir tapé la route, on va vérifier la table de routage de R1. Remarquez maintenant. Maintenant, il y a une route qu'on a saisie manuellement. Donc, c'est une route statique. Et il est bien dit que pour joindre le réseau 200.0, desktop, c'est quoi? C'est 150.2. Okay. On verra, vous allez voir plus tard les métriques, on n'a pas le temps de la râle. Les métriques, c'est la prochaine fois. Pas la prochaine fois, on va se faire là. Je vais réafficher la table de routage avec les vidéos commandes. Bon, comme je ne suis pas la racine, je vais mettre doux. Nous, pour afficher les commandes qu'on devrait taper à la racine, d'où show IP route. Route avec E, mais on peut ne pas le mettre. Hein. Voilà. Voilà, donc vous voyez que il y a une autre route. La voilà. 200.200.200.0.54. Il y a 150.2. Donc, pour joindre les réseaux 200, tu remets le message au routeur .2, au routeur 2, ton voisin. Maintenant, R1 connaît la route vers le réseau 200. Il va savoir comment diriger le message vers le réseau 22. C'est bon? Voilà, tu as écrit epiconfig. Je n'ai pas compris c'est quoi epiconfig. Alors, d'après vous maintenant, si je fais un ping entre PC 1 et PC 4. Est-ce que ça marche? Bouta dit oui, Mahari dit non, Moussavi dit oui, Brabat oui, Sebarachou, il n'y a pas de route. Dit non. On va vérifier. Allez, on va le vérifier. Est-ce que ça marche? On va le vérifier en mode graphique. Au mode graphique, où l'on va faire circuler le message étape par étape. Pour passer au mode graphique, il faut venir ici, là où il y a Real Time, et cliquer sur l'icône qui est derrière. Allez, je passe en mode simulation. Voilà. Maintenant, je vais faire un ping, mais le PC. Je vais faire un ping, mais le PC 2 au PC 3, par exemple. Voilà. Je vais avancer. Le ping, il passe au switch, il passe au routeur. Routeur, il envoie à R2, donc il connaît le chemin. Ensuite, au routeur R2, il envoie au PC3, il le connaît. Okay. Mais arrivé au PC3, il doit répondre. Il doit répondre à une machine qui n'est pas dans son réseau. Donc, il le remet à son... À qui? Il le remet à son au routeur. Ça passerait par défaut. Arrivé au routeur 2, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, un routeur 2 ne connaît pas le réseau 100. Est-ce que le routeur 2 connaît le réseau 100? Non. Et donc, il ne sait pas comment joindre le réseau 100. En fait, le routeur 2, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a remis un message CMP pour dire site injoignable, je ne le connais pas. C'est un cas d'erreur. D'accord. Donc, il faut configurer les deux
routeur, les deux routeurs. Il manque la configuration de la route vers l'autre, sur l'autre routeur. Avant de faire la configuration, je vais juste vous montrer la structure des paquets IP à travers donc ce mode de circulation. Pour voir la structure, on tape sur tape ici. Là, c'est le premier message, là, sur le routeur, sur le PC. On va voir la structure. Là, voilà. Là, voilà donc. Et voilà le ping qui a été envoyé. Comme l'est. Donc, le ping, c'était un message SIMP avec un code d'erreur, avec un code 00, type 08, etc. Alors, on n'a pas vu le détail de SIMP. C'est un message SIMP, parce que c'est un ping. Alors, le message SIMP, il a été encapsulé dans un paquet IP. Le message SIMP, il est là, en venant. D'accord? Tout ce message-là, il est là. Ce message-là, il est ici, hein? Il est dans cette zone. Donc, il a été encapsulé dans un paquet IP. Contient le paquet IP. L'adresse IP source, c'est évidemment le PC 2, 10.3. L'adresse IP de destination, c'est le PC 3, c'est 10.200.2. Il n'y a pas d'option. Le premier champ, c'est quoi? C'est quoi le premier champ? Du paquet IP, l'entête IP. Que représente ce premier champ? Répondez. On a vu la dernière fois. La version, c'est bien, c'est pas la chose. Il représente la version. On est la version 4. Si on était la version 6, il y aurait ici 6. IHL, c'est la tête de l'entête. Là, il y aurait la valeur 5 parce qu'il n'y a pas d'option. Vous voyez, il n'y a pas d'option. Pas d'option. Là, il y aurait la valeur 5. Là, on a prévu ça pour la carte de service. La taille, donc, du paquet, là, c'est écrit de 28, je pense qu'on est hexadécimal, je ne pourrais pas donner le 28 octets. 28 octets. C'est ça, oui, 28, c'est en unité octet. Il y a 28 octets, la taille totale du paquet. Si on va compter le nombre de paquets, le nombre d'octets, c'est 28 octets. Parce que chaque ligne, c'est 2 octets. Il y en a 2. Comme il y a 5 lignes, ça fait... Non, il y a 4 octets par ligne, pardon. Il y a 4 octets par ligne. 4 fois 5, c'est 20. Et le champ donné fait 2 octets. Ça fait, pardon, fait 8 octets. Donc, en tout, c'est 28 octets. Si j'ai, oui, IHL possède une valeur. Elle n'est pas montrée juste ici. Elle n'est pas affichée. La valeur, c'est 5. Elle n'est pas juste affichée. Okay. Donc, il y a 28 octets dans tout le paquet, y compris le champ donné. On voit ici que le champ donné fait 8 paquets. Pardon, 8 octets. D'accord? Alors, on n'a pas vu ça. TTL, il est égal à combien? Il est égal à 255 par défaut. Les valeurs par défaut. S'il y avait une option, il aurait augmenté. Tout dépend du nombre de lignes. S'il y a une seule ligne, il y aurait 6. S'il y a deux mots, il y aurait 7, et ainsi de suite. Le champ protocole est égal à 1 pour dire que la donnée qui est là appartient au protocole ICMP. On a vu ça en cours. On a vu ça en cours. S'il y a deux, c'est que la donnée NDA contient un message qui est venu du protocole IGMP. Si c'est TCP, il y aura la valeur 10, la valeur 6. UDP, c'est la valeur 17, je me rappelle bien. Voilà. Remarquez maintenant le message qui est au niveau du PC2. Son TTL par défaut est égal à 255. On va voir ce qui se passe avec le TTL lorsque le message arrivera au routeur R1. Mais avant cela, le paquet IP, il est encapsulé à son tour dans une trame Ethernet, c'est connu. L'adresse, voilà le préambule, donc c'est les bits de synchronisation, c'est 10100, parce qu'il y a 1, et ensuite l'adresse IP de, ensuite celle du routeur bien sûr, adresse MAC du routeur, adresse MAC du PC2, et ainsi de suite. Le type 800 pour dire qu'il y a ici
partie B, etc. On va voir maintenant le message envoyé par R1. Il est reçu par R1. Maintenant, lorsqu'il est reçu, inbound PDU, c'est ce qu'il est reçu. Lorsqu'il est reçu par le moteur R1, à quoi est-il TTL? TTL à 255. Lorsque le routeur R1 va envoyer le message au routeur R2, outbound PDU, c'est la sortie NR, quoi est égal TTL, remarquez, c'est égal à combien? Vous voyez qu'il est égal à 254, il a été décrémenté. Donc au moment où il va envoyer le TTL, le paquet IP, il décrémente le TTL. C'est bon? Donc le TTL, il est décrémenté. Donc, il devient égal à 254. Là. Ensuite, le message va avancer, il va arriver à R2. R2 va l'envoyer au switch 2. Donc, R2. R2, il a reçu. R2, lorsqu'il va l'envoyer au switch, il va aussi le décrémenter. Donc, il devient 253. OK, il devient 253. Parce que, donc, le message a passé par deux routeurs. Le TTL est devenu 253. Je vais répéter, je dis que lorsque le message arrive à R2, R2 il va l'envoyer au switch 2. Lorsqu'il va l'envoyer au switch 2, il va lui aussi décrémenter le TTL. Il était à 254 lorsqu'il a reçu depuis le routeur R1. Il le remet au routeur, il le remet à 253. Lorsqu'il va l'envoyer au switch du réseau local 2. Donc, à chaque fois que le message, que le paquet IP passe par un routeur, il est décrémenté d'une seule unité. Et donc, voilà, pour ce qui est du TTL, pour ce qui est donc, du format d'un paquet IP. Voilà l'entête IP. Donc, vous voyez, il y a le champ version, la tête d'entête n'apparaît pas, la valeur X n'apparaît pas. Il y a le champ pour la qualité de service. Il y a la longueur totale du paquet en termes de nombre d'octets. Et donc, on a prévu ça pour la fragmentation. TTL devient 253. Protocole égale 1 parce qu'il y a comme données le message TMP. Bit de contrôle pour traiter uniquement les erreurs sur l'entête. Adresse IP source qui ne sont pas. Adresse IP de destination qui ne sont pas aussi. Il n'y a pas d'option. Et voilà. Donc ici, lorsque le routeur a remis le message switch, là, il y a un code d'erreur d'un site injoignable. Vous voyez le code 0, type 0. Donc le routeur R2 a remis un message au PC pour lui dire ton site est injoignable, je ne le connais pas. Donc il a mis le code de type 0, code 0. C'est pour dire message injoignable. Bien plutôt site injoignable. Okay. On va terminer le routage, la configuration du routage pour voir que le ping marchera entre les deux. Donc si on met un mode, si on le fait en mode, bien sûr en mode temps réel, voilà, si je fais un ping, vous allez voir que donc ça ne marche pas. Hein. Le ping 2 vers 3, je vous dis progress on fail. Baraka dit, il n'y a pas de checksum. Oui, les adresses sont 1 qui sont dans l'entête. Un certain nombre d'erreurs concernent toute l'entête, y compris les adresses IP. Ok, Baraka? Alors, maintenant, on va poursuivre la configuration du routage, celle du R2. Je vais le faire autrement. Donc, on va passer au mode administrateur, mode de configuration globale. Je vais mettre donc IP route pour joindre le réseau
La route pour joindre le réseau 100.100.100.0 avec le masque H24. Là, je vais mettre le nom d'interface. Je peux mettre l'adresse IP du routeur R1. Et comme le routeur R2 possède un seul voisin, au chocolat, je vais lui dire, on voit ton message via interface, l'interface NDA qui est 01. On voit ton message, fais-le sortir par l'interface 01, il va sûrement atteindre la hauteur R1. Donc là, je vais écrire F01, sans taper l'adresse IP du routeur R1. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Je t'affiche la table de routage de R2. Do show IP route. Qu'est-ce qui nous affiche? Il y a une route statique, la voilà. Route statique, la voilà. Pour joindre le réseau 100.0. Pardon, pour joindre le réseau, ça fait quoi comme... Oui. Pour joindre le réseau 100.100.100. Alors, on envoie le message via l'interface face 01. C'est une route statique. Une route statique. J'envoie via F01. Je n'ai pas tapé ici l'adresse IP du routeur R1 qui est son voisin. Parce que je sais que tout message qui va sortir par l'interface F01 arrivera certainement au routeur R1. D'accord? Si on affiche la table de routage par le menu graphique, la voilà. Donc, il n'y a que l'interface, le nom d'interface. Il y a F01. Par contre, pour celle de R2, de R1, il n'y a pas le nom d'interface. Il y a l'adresse IP. Donc, les deux marchent dans ce cas-là. Les deux fonctionnent. Hein. C'est bon? Donc, on n'est pas obligé de connaître l'adresse IP du voisin lorsqu'on sait qu'il y a un seul voisin. On met directement le nom de l'interface de sortie pour joindre le voisin. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, pour cette adresse, pour ce problème de routage, pour cette configuration de routage, que ce soit que je mets l'adresse IP du voisin ou bien je mets directement le nom de l'interface de sortie, le routeur lui-même. Hein. Très bien. Très bien. Je vais vous poser une question. Si j'ai par exemple, si j'ai ici un switch. Switch qui est là. Et je peux avoir donc je peux avoir ici un autre routeur, routeur R3, routeur R4. Voilà, j'ai cette configuration. Est-ce que ce qu'on vient de faire peut fonctionner ici? Ce qu'on a fait sur R2 peut fonctionner, d'après vous? Non, monsieur. Pourquoi non? Quand le numéro de forme chez l'adresse IP. Voilà, donc on voit le paquet via l'interface F01, le paquet va aller vers le switch. Je ne sais pas comment faire, parce qu'il y a plusieurs voisins, R1, R3, R4. Donc ce qu'on vient de faire, c'est uniquement utile lorsqu'il n'y a pas de switch. Hein. Lorsqu'il n'y a pas de switch, s'il n'y a pas de switch ici, d'accord. Si c'est un lien direct, ça marche. Si ce n'est pas un lien point à point, à ne pas faire. Hein. Je te conseille de le faire. Oui, ça ralentit le routage. Allez, c'était une remarque. On va refaire le ping maintenant. On va le refaire. Je vais le refaire au mode graphique. Pour vérifier une chose. Moi-même, je vais vérifier une chose. Voilà donc. Je vais faire le ping PC2 vers PC3. On avance. Donc, le premier chemin, il est connu, c'est évident. En répondant, maintenant le routeur 2 connaît le chemin inverse. Et donc,
Ça a marché. Vous avez vu ici que c'est en successful. OK. Je vérifie juste une chose. Lorsque R2 a répondu à R1, a routé R1. Bon, lorsque R1 a envoyé vers R2 le message, qu'est-ce qu'on a mis ici? L'adresse MAC de l'émetteur, c'est à la fin A2, donc c'est celle du routeur, R1. Voilà, A2. Et 2B, celle du routeur R2. 2B, la voilà, celle du routeur R2. Je vais juste vérifier lorsque R2 a envoyé le message à R1, le chemin de retour. Alors, c'est la même chose. Donc, voilà. L'intérêt de ce qu'on vient de faire, pour le moment, c'est juste pour ne pas connaître, c'est pas de taper l'adresse IP de R2, de R1, mais du voisin. Et il y a un intérêt pour les liaisons série, on n'a pas le temps de voir ça. Et donc, la réponse est claire, pour le soir, Inch'Allah, on va faire pour deux temps. Voilà pour ce qui est donc du protocole IP, de l'entête IP, des messages CMP, et donc la couche réseau. On vient de voir, et ceci termine le chapitre 4, où j'ai sauté pas mal de choses. La RALB pose donc de temps. Voilà. Y a-t-il des questions? Je vous écoute pour des questions. Avant de passer au prochain chapitre, bien introduire le prochain chapitre. Je préfère qu'on fasse une petite pause, faire un TD d'une heure et après on va entamer sur le prochain chapitre. OK? On va répartir la séance en trois parties. Donc, la première partie, c'est qui termine le chapitre 4 sur la couche réseau. Une partie pour faire des TD. On va poursuivre le TD la dernière fois. Et ensuite, on va reprendre pour entamer le chapitre 5 sur la couche transport. Y a-t-il une question? Je vous écoute pour la couche réseau. Je suis là pour répondre à vos questions avant de passer au TD et faire après avoir fait une petite pause. Je vous écoute. Vous pouvez parler, vous pouvez écrire par message si vous avez des questions. Pas de questions? OK, donc on fait une pause de 5 minutes, bien 10 minutes, avant de reprendre avec le TD. Je suis de retour. Donc, rappelez-moi la dernière question qu'on avait faite la dernière fois. C'était, je pense, on l'avait traité déjà, je me rappelle. Donc, je pense qu'on avait... Est-ce qu'on a traité la question 10, 11? OK. 11, on l'a faite ou pas? On a répondu à la question 11 ou pas? OK, donc c'est la question 12. Alors donc, que dit la question 12? Elle dit, il y a un message envoyé du hôte 2, un message de diffusion à tous les hôtes. Si l'hôte 1 souhaite répondre au message de diffusion qu'il a reçu de la part de R2, de H2,
Quelle proposition est exacte? Les parents ont répondu, tout le monde a répondu pour le moment de façon correcte. Voilà. Très bien. Donc, les autres, j'attends que les autres répondent. Bon, ceux qui ont répondu, c'est juste, c'est bien. H1 reçoit un message venant de H2. Il consulte l'adresse du récepteur. Il trouve qu'il s'agit d'une adresse de diffusion. Il est concerné. Il accepte ce message. Et lorsqu'il voit l'adresse de l'émetteur, c'est H2. Évidemment, s'il va répondre à H2. Il va répondre en faisant une monodiffusion parce qu'il connaît son adresse. Et ce message qui contient une adresse de monodiffusion, évidemment, de suite, il va l'envoyer directement à H2. Donc, c'est la deuxième réponse. C'est bien pour tout le monde qui a répondu. C'est la réponse, la réaction logique de H1. Question 13. Quel type d'adresse en switch utilise-t-il pour établir une table des adresses MAC? Bouta erreur. Bouta erreur, oui. Les autres, c'est bon. Je vous rappelle que la table MAC contient la liste des numéros de port du switch. Et à côté, il y a l'adresse MAC des PC pour brancher à ces ports. Pour connaître quel est le PC branché à un tel port, on va faire quoi? Il va attendre qu'il reçoive un message de la part de ce port pour connaître quel est le PC qui est branché à ce port. Et donc, il va consulter l'adresse MAC d'origine pour voir et apprendre quel est le PC branché à ce port avant de consulter l'adresse MAC de destination pour envoyer le message via le port correspondant à partir de la table MAC. Donc, c'est la quatrième réponse, c'est adresse MAC d'origine, évidemment. La question suivante. Quelles sont les fonctions des switches? Est-ce que c'est la transmission de données en fonction de l'adresse logique? L'application du signal écrit chaque RAM à chaque port? Apprentissage du port affecté à un autre par adresse, par exemple, dans la smart de destination? Détermination de l'adresse utilisée, de l'interface utilisée pour la transmission d'une RAM en fonction de la smart de destination. Mahari, erreur. Ça va brancher, oui. Les autres, oui. Mais oui, erreur. Bouta, même chose, erreur. Baraka non plus.
J'ai aussi erreur. Lisez bien les énoncés. Barabat, erreur. Les erreurs. Mahari, il me rabat encore erreur. Pour ceux que je n'ai pas répondu, maintenant c'est juste. Hein? Rahman, il faut préciser laquelle, parce qu'il y a deux réponses qui portent, qui viennent d'écrire. C'est oui, pareil, il faut préciser. Gerd erreur. Alors, on va analyser réponse par réponse. Que dit la première? Transmission des données en fonction de l'adresse d'adressage IP. Adresse logique, c'est adresse IP. Est-ce que le switch a une adresse IP? Non. Donc, elle dit non. Elle est fausse. Le switch est de niveau 2. Sachant bien sûr qu'il existe des switches de niveau 3, mais il faut le préciser. Deuxième réponse, duplication du signal électrique de chaque tram à chaque port. Alors, c'est le hub qui fait ça. C'est bien important. C'est le hub qui fait ça. Ce n'est pas le switch. Le switch, il le fait si on lui demande, dans le cas où l'on veut faire une diffusion. Le hub, il le fait tout le temps, mais si on le fait, si le switch, on lui demande de faire ça, il le fait. Dans le cadre de diffusion, mais la question il n'est pas précisée. Hein? Donc, ça, tout dépend. C'est à la demande que le switch fait ceci. Donc, la deuxième, elle est fausse. Troisième, apprentissage du port affecté à un hôte. Apprentissage du port affecté. Bon, Baraka, c'est bon, oui, c'est ça. Il peut aussi faire une diffusion si on n'est pas l'adresse de destination. Oui, mais c'est des cas particuliers. Ce n'est pas tout le temps qu'il fait ça. Ok, Baraka. Troisième réponse, apprentissage du port affecté à un hôte par examen de l'adresse MAC de destination. On vient de voir la question 13 que l'apprentissage du port affecté à un hôte, il se fait par examen de l'adresse MAC d'origine, le site de destination. Donc elle est fausse à dire, parce que le switch apprend l'adresse MAC d'un PC branché à un port par examen de l'adresse MAC d'origine et non pas de destination. Donc il reste la dernière. Et qu'est-ce qu'elle dit la dernière? On détermine l'interface utilisée, le port utilisé pour la transmission du tram à partir d'un switch en fonction de l'adresse MAC de destination. Oui. Donc un switch pour envoyer une trame sur un port donné, ou bien sur une interface donnée, il se base sur l'adresse MAC de destination. Voilà. Voilà donc pour ce qui est de la question 14 et de cette série d'exercices sur la couche liaison, mais la couche lien. Voilà, on passe à la prochaine série d'exercices sur la couche réseau. C'est toujours un QCM.
Donc, si vous m'entendez, il y a un petit blocage. Oui, monsieur, là, que je le partage. Partage qui manque, ok. Il y a juste temps pour le partage, oui. Donc, passons un petit moment. C'est bon maintenant? Oui, monsieur, oui, bien. Ok, très bien. J'ai bien fait de relancer parce que ça a tourné longtemps. Donc voilà, on va passer à la série 3 sur la couche réseau. Première question. Je vais lancer juste l'enregistrement. Voilà donc la prochaine série d'exercices sur la couche réseau. Que dit la première question? Quels sont les affirmations qui sont vraies à propos de l'encapsulation et de la désencapsulation des paquets IP acheminés via un routeur? Choisissez trois réponses. La plupart ont répondu, donc tout le monde, ceux qui ont répondu, c'est juste sauf Mehobi. Mehobi, erreur, pour la question 2. Donc, on va lire une par une et on va vérifier lesquelles sont vraies. Donc, les questions vraies à propos de l'encapsulation et de la désencapsulation qui se fait par un routeur au niveau de la couche réseau. Le routeur modifie le champ de durée de vie et le décrémente de 1. Oui, c'est vrai. Alors, on l'a vu tout à l'heure en TP, avec la démonstration de TP. La deuxième, le routeur modifie l'adresse IP source en adresse IP de l'interface de sortie. On a vu que l'adresse IP ne change pas lorsque le paquet IP circule dans une interconnexion. Donc elle est fausse, la deuxième. Le routeur conserve les mêmes adresses IP sources et de destination. Oui, maintenant on a vu ça, que lorsque le paquet circule à travers les routeurs sur un chemin de l'interconnexion, les adresses IP ne changent pas. Qu'est-ce qui change? C'est les adresses MAC. C'est la quatrième réponse. Le routeur modifie l'adresse physique de l'émetteur, adresse physique source, en adresse physique de l'interface de sortie TAO de son routeur. Lorsqu'il va envoyer un paquet IP dans une trame, après avoir fait une encapsulation, désencapsulation, bien d'abord désencapsulation, ensuite encapsulation, il change l'adresse MAC de l'émetteur. Il devient lui-même à travers l'interface physique de sortie par lequel il va envoyer cette trame. Donc, elle dit à la quatrième, elle est vraie. La cinquième, le routeur modifie l'adresse IP. Non, ce n'est pas la peine. Pas de changement d'adresse IP. Le routeur envoie le paquet à toutes les autres interfaces et pas seulement à celle utilisée pour y saisir le routeur. Elle dit qu'il n'a pas de sens. Elle dit parfois, saisir un routeur, c'est... Hein? Bon, saisir le routeur, ben, le joindre. Elle dit donc... C'est... Voilà. Pour la première... question. Deuxième question. Vous avez donc une requête ping qui échoue entre la machine A et la machine B dans le réseau qui est montré ici. L'administrateur réseau identifie que le routeur 1 n'a pas de route vers le réseau où se trouve l'autre B, le réseau 72.16.0.0. Ce qu'on avait fait tout à l'heure en TP. Quelles sont les deux routes statiques que vous pouvez configurer sur le routeur 1 pour activer l'accès de l'autre A au réseau 72.16.0.0 afin de pouvoir joindre l'autre B? Choisissez deux réponses. Et les autres? Il n'y a pas de réponse? Erreur. Hajar, première réponse erronée. Moussaoui, M. Saoudi, première réponse erronée. Ali Bouta, erreur. Baraka, première réponse erronée. Gendouz, deuxième réponse erronée. Baraka, première réponse erronée toujours. Chantour, erreur. Sabarachou, c'est bien.
Être assis, il manque une bonne réponse. Donc, dit choisir deux réponses. Voilà. Il choisissait deux réponses. Deux. D'Ahachar, il sera posé, c'est bon. Être assis, c'est bon. Et il y a pareil. Ça l'achète pour. Le Khadim Arabat, c'est bon. Baraka. Alors donc, ici. Ce qu'il faut faire, ce qu'on a fait tout à l'heure, on TP. Donc, il faut informer le routeur R1 que le réseau 172.16.0.0 est joignable en passant par routeur R2. Maintenant, il faut configurer le routage sur le routeur R1. Et pour le configurer, on a vu qu'on peut le faire de toute façon. Soit dire à R1 pour joindre le réseau HADA 72.16, contacte ton routeur R2. On voit le message à l'adresse IP de R2, il y a 0.2. Alors, la voilà, elle est là. Allez, la voilà. C'était IP route pour joindre le réseau 72.16.0.0 avec le masque /16. Il contacte le routeur voisin de HOA R2 avec l'adresse IP 192.168.0.2. La voilà, allez. Allez, c'est la route statique dans laquelle on mentionne l'adresse IP du routeur voisin afin de joindre le réseau de 172.16.0.0. Il était demandé d'en dénoncer. On peut refaire cette route statique en mentionnant directement l'interface de sortie sans mettre l'adresse IP du voisin. La sortie pour joindre R2, c'est S00. Allez, là voilà, S00. Donc on mentionne la première allée. La première, si je veux atteindre le réseau 172.16.0.0, je vais envoyer mes messages à travers l'interface S00. Allez, parce qu'elle est là. La voilà. OK. Donc les deux bonnes réponses, c'est les réponses 1 et 4. Tout le monde est d'accord? C'est ce qu'on a fait exactement dans la structure que je vous ai faite tout à l'heure avec Packet Tracer. Donc c'est clair pour moi, donc il n'y a pas de problème. Parce qu'on voit même la table de routage de R1, il n'y a que les deux routes connectées, ce qu'on avait fait au départ. Les deux routes connectées apparaissent automatiquement lorsque le routeur est branché sur les deux réseaux. Mais il n'y a pas de route statique. C'est pour ça que le routeur R1 ne sait pas comment joindre le réseau 72.16 lorsque A a pingé vers la machine B. Alors, on passe à la prochaine question. Quelles informations sont ajoutées lors de l'encapsulation se produisant au niveau de la couche réseau? Est-ce que vous voyez le nouveau partage? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez le nouveau partage? Oui, monsieur. Voilà. Vous vous rappelez de ce schéma? Il est important. Chaque couche manipule certains éléments pour désigner les entités qui communiquent. Au niveau de la couche 1, par quoi on désigne les équipements qui communiquent? Par adresse MAC. Vous voyez le schéma ou pas? Baraka, tu ne vois pas le schéma? Donc, il y a lenteur pour... Non, quand même, c'est ma cache en schéma. Ah, d'accord, c'est la série qui est là. Bon. Je parle du schéma. Je regarde pas. Ouais. Donc, voilà. 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 On a vu ça, vous rappelez. C'est important. Pour mentionner quels sont les éléments les plus importants au niveau de chaque couche. Pour désigner les entités qui communiquent entre elles. Maintenant, vous le voyez le schéma?
Au cas, oui, monsieur. Voilà. Au niveau de la couche application, comment désigne-t-on les entités qui communiquent? Par leur nom. Le nom du site, par exemple, l'URL d'un site. La couche application, qu'est-ce qu'elle manipule? Qu'est-ce qu'elle encapsule? C'est le nom d'un site. Au niveau de la couche transport, on va le voir dans le prochain chapitre. Les applications qui communiquent entre elles sont désignées par leur numéro de port, par un entier, un numéro de port. On verra ça lors de la prochaine chapitre. Au niveau de la couche réseau, qu'est-ce qu'on rajoute ici pour désigner les entités qui communiquent? C'est l'adresse IP des ordinateurs, des machines. Et au niveau de la couche lien, qu'est-ce qu'on rajoute pour désigner les entités qui communiquent? C'est leur adresse MAC, adresse MAC. L'adresse MAC, elle est ajoutée lors de l'encapsulation d'un paquet IP dans une trame. L'adresse IP, elle est rajoutée lors de l'encapsulation d'un segment dans un paquet IP. Et le numéro de port est ajouté lors de l'encapsulation d'une donnée applicative dans un segment. Donc, qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qu'on rajoute comme information dans la couche réseau? C'est évidemment l'adressage IP. L'adressage IP. La couche réseau ne manipule ni le numéro de port, ni l'adresse MAC. D'accord? Elle manipule l'adressage IP. On revient à l'exercice. Donc, ce qui est rajouté lors de l'observation au niveau de la couche réseau, c'est les adresses IP de l'émetteur et du récepteur. Et du récepteur. Ce n'est ni l'adresse MAC, parce que c'est ce qui est rajouté par la couche lien, ni les protocoles d'application, ni le numéro de port, qui se fait au niveau de la couche transport, mais c'est la quatrième réponse qui est juste. Je ne vais pas relancer l'enregistrement. Donc, j'ai dit que la bonne réponse, c'est les adresses IP de la source et de la destination. C'est ce qui est manipulé par la couche réseau, donc ce qui sera rajouté lors de l'encapsulation d'un segment dans un paquet IP. Donc la bonne réponse est la quatrième réponse. Prochaine question. Alors, on a déjà vu la question précédente. Dans un environnement IPv4, quelle information un routeur utilise-t-il pour transmettre des paquets IP d'une interface à une autre? On l'a fait la dernière dans la série précédente. Erreur. Voilà, c'est on a fait ça à dire. C'est l'adresse réseau de destination parce qu'on fait le routage. On fait le routage. Un routeur manipule l'adresse IP de destination pour choisir vers quelle interface de sortie il faut envoyer, vers quel voisin il faut envoyer le paquet. Donc c'est la première réponse. C'est l'adresse réseau de destination. Ça a été posé déjà la question de la série précédente. Être assis. Non, l'adresse d'origine s'intéresse pas. Qui c'est l'émetteur lorsqu'un routeur reçoit un paquet? Est-ce que pour choisir vers quelle sortie pour l'envoyer, il va consulter l'adresse IP de l'émetteur d'origine? Non. L'adresse IP d'origine, il va la consulter lorsqu'il va lui répondre si jamais le paquet sera écrasé pour une raison ou pour une autre à travers le protocole ICMP. Donc c'est l'adresse IP, l'adresse réseau IP de destination qui sera utilisée pour choisir par quelle interface il va la faire sortir. C'est ce qu'on appelle le routage. Une interface à une autre, c'est le routage. Cinquième question. Parmi les informations suivantes, relatives aux routes et à leur utilisation, lesquelles sont vraies? On vous demande de choisir trois réponses. Balsran ou Marabat, il y a des erreurs.
Vous savez, Marabat, maintenant c'est bon. Tantôt, il y a des erreurs. Bouta, Mahari, c'est bon. Rachet, il manque d'autres réponses. Baraka, quelques erreurs. Marsran, réponse juste. Sabarachou, il y a des c'est bon, Sabarachou. Saoudi, il y a des erreurs. Yuhubi, pareil. Être assez pareil. Talbi, c'est bon. Voilà. Réflexion encore. Alors, on va lire les réponses une par une et on va voir donc quelles sont les bonnes réponses. Hein. Et, bon, qui dit la première? S'il n'existe aucune route pour le réseau de destination, l'interprétable de routage n'a pas trouvé d'adresse IP, une telle route qui comporte l'adresse IP de destination, le paquet est renvoyé au routeur précédent. Ça veut dire quoi? Le hack de Brasque, le paquet que tu peux envoyer, il ne peut pas le router. C'est-à-dire pour lui dire, change de route. Évite-moi. Est-ce qu'on a vu ça à travers la couche réseau, le routage? Est-ce qu'on a vu que c'est un routeur sur un paquet qui ne connaît pas donc la destination par rapport à la table de routage? Il y a pour lui dire de brasque. Non, monsieur, ça n'existait pas. C'est-à-dire, il écrase. Voilà, Baraka, c'est bien. Dans ce cas-là, il va l'écraser. Il ne va pas lui renvoyer le paquet. S'il le fait, ils vont charger le réseau pour les paquets pareils. Donc, lui, il écrase, classe. OK. Bien sûr, après l'avoir écrasé, qu'est-ce qu'il fait? Il y a ici un P pour générer un message. Il va l'envoyer, non pas au routeur précédent, mais à l'émetteur. Pour lui dire que je n'ai pas pu router ton paquet. Bien sûr, en passant par le routeur précédent. Mais c'est un message ici un P, c'est tout. Donc, elle est fausse. La deuxième, si le réseau de destination lui est relié directement, ben, il est voisin du récepteur. Le routeur transfère le paquet à l'hôte de destination. Oui, parce que les deux, ils sont voisins. Le routeur, il est lui-même relié à ce récepteur à travers le même réseau. La deuxième, elle est juste. La troisième, si plusieurs entrées se réfèrent au réseau de destination, Matasab, ça a plusieurs routes qui mènent vers le réseau de destination. Le paquet emprunte alors la route la plus utilisée. C'est-à-dire, on ne connaît pas ça. La route la plus utilisée. On ne connaît pas ça. C'est-à-dire, vous allez voir que plus tard, ce qu'on va faire ça, lorsqu'il y a plusieurs routes, il choisit déjà, on ne va pas voir les différentes routes sur la même table de routage. Toujours, on prend la meilleure route sur la table de routage. Le routeur ne garde que la meilleure route sur la table de routage. Parce qu'il y a plusieurs routes. Si, voilà, la plus proche, la plus rapide, tout dépend des critères. Il y a des critères qui sont utilisés par le routage et qui sont configurés sur le routeur. Soit on se base sur la plus proche, maintenant la distance, soit on se base sur la moins chargée, comme on l'a dit Marabat, donc c'est la moins chargée, ou bien la plus rapide, ou bien la plus sûre, ou bien la plus fiable. Ça dépend des critères. Et les autres routes sont cachées. Les autres routes sont cachées. En cas de panne de cette meilleure route, la meilleure route, on fait appel à la route alternative. D'accord? Mais la route la plus utilisée, on ne connaît pas ça. Voilà, donc elle est fausse. Quatrième réponse. Si aucune route n'existe pour le réseau de destination, ben, on ne connaît pas. Il n'y a pas de route qui ressemble à l'adresse de destination dans le paquet reçu. Et qu'une route par défaut est présente, la route par défaut, on a vu ça, alors le paquet est alors transféré au tronçon suivant par la route par défaut. OK? La route par défaut, c'est trop lourd. Si aucune route ne correspond au paquet reçu, eh bien, tout maintenant. Donc, elle est juste. Autre réponse, si l'ordre de départ, l'ordre de départ, c'est l'émetteur, d'une passerelle par défaut configurée, elle dispose d'une passerelle par défaut configurée. Le paquet destiné à un réseau distant,
à l'extérieur peut alors être envoyé à cette passerelle. Oui, ADAC, en fait, c'est le routage au niveau des PC. Donc, si tu veux envoyer un message vers un site distant et qu'une passerelle par défaut, elle est configurée sur toi, sur le PC ADA, c'est le routeur auquel il est relié, il va envoyer le paquet vers le routeur qui est la passerelle par défaut pour joindre l'extérieur. C'est le routage qui se fait au niveau du PC. Donc, les bonnes réponses, c'est les réponses 2, 4 et 5. Alors, prochaine question. On va terminer avec ça. On va laisser le reste pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois, pour passer au chapitre 5, hein, après une pause, parce qu'on doit terminer, je pense, à 11h, c'est ça? Alors, la prochaine question. Lisez la table de routage, elle est sous table de routage. Vous avez une route RIP, une route dynamique, R21, une route saisie de façon dynamique par des protocoles de routage. Elle dit que pour aller vers le réseau 10.1.1.0, il faut remettre le message au routeur voisin 172.16.1.4. Voilà. Et le faire sortir ou bien par l'interface M00. C'est la première route. C'est la première route. Donc une route dynamique. Il y a une deuxième route dynamique aussi obtenue par le routage RIP. Qu'est-ce qu'elle dit? Si on veut joindre le réseau 172.16.10.0, on doit contacter le routeur voisin, les OA 172.16.2.9. Une autre route qui est connectée, qui est connue par le routeur parce qu'il est branché à ce routeur. Si tu reçois un message vers le réseau 172.16.1.0, qui est directement connecté, fais-le envoyer à travers l'interface 00. Encore une route connectée directement, parce que le routeur il est branché à ce réseau. Si tu reçois un paquet destiné au réseau 172.16.2.0, alors fais-le sortir par l'interface F01. Et enfin, une route par défaut, Austrol, si tu reçois un message qui contient comme adresse IP de destination aucune de ces quatre routes, mais je ne sais pas là, qu'est-ce que tu fais? Mais remets-le au routeur voisin de 172.16.1.4. Là, aller à la route par défaut. Donc, autre chose, autre adresse IP, avec n'importe quel masque, atteint à ce routeur. Voilà ce que dit la table de routage qui contient 5 routes. 4 routes connues et une route par défaut, pour ce qui n'est pas connu. Que dit la question? Le routeur dont la table est illustrée et qu'on vient de décrire, reçoit un paquet destiné au réseau, à la machine 192.168.9.4. L'adresse IP de destination est égale à 9.4. Comment le routeur va-t-il traiter le paquet? Est-ce qu'il va abandonner le paquet? Est-ce qu'il va transférer le paquet à l'interface 01? Est-ce qu'il va transférer le paquet à l'adresse du tronçon suivant, au voisin? Ou bien, est-ce qu'il va transférer le paquet à l'adresse 2.0? D'abord, vous pouvez me dire, il y a des réponses qui sont fausses. Tout de suite, sans réfléchir. Hein. Dites-moi quelles sont les réponses qui sont fausses par rapport à la table de routage. Dites-moi d'abord quelles sont les réponses qui sont fausses. Bon, la plupart ont répondu qui sont fausses, hein, mais c'est juste, hein, qui sont fausses. Celles qu'on doit éliminer. Qu'il y ait une réponse fausse sans consulter la table de routage. Je connais là. Une réponse fausse sans consulter la table de routage. Je connais là. Sans consulter la table de routage. Moi, le français, c'est bon. Les autres, non. Sans lire la table de routage, elle dit qu'elle est fausse. Ah, il n'y a que Malstrand qui a répondu. Hein. Il n'y a que Malstrand. Il a trouvé la réponse fausse.
sans même lire la table de routage. Si vous avez bien compris le principe du routage, elle dit qu'elle est fausse. Bouta, c'est bon, mleh, bouta. Baraka aussi. C'est fausse. Les autres, non. Indépendamment de la table de routage, il y a une réponse qui est fausse. Il faut apprendre à trouver des erreurs. Mais hein. OK. Allez, réfléchissez les autres. Trouvez-moi la bonne, la mauvaise réponse indépendamment du contenu de la table de routage. Je l'ai dit en cours une fois, est-ce qu'une machine peut communiquer avec un réseau? C'est bien, Gozim. Est-ce qu'une machine peut communiquer avec un réseau? Non, on ne peut pas communiquer avec un réseau. On peut envoyer un message à toutes les machines d'un réseau en faisant une diffusion, mais on ne peut pas communiquer avec un réseau. On ne peut jamais envoyer avec un message vers un réseau Meta où l'adresse IP est celle d'un réseau. OK. Hadi, elle est fausse donc, la dernière, elle est fausse. Pas envoyer un message vers 2.0. L'adresse 172.16.2.0, c'est une adresse réseau. D'accord? Donc, Hadi, c'est une adresse réseau, on ne peut pas envoyer un message au réseau. Parce qu'on voit ici que Hadi, c'est un réseau, 2.0. Allez. Indépendamment de la table de routage, un routeur n'envoie jamais un message vers un réseau, parce qu'il doit communiquer avec un routeur voisin. Il doit communiquer avec un routeur voisin, soit en mentionnant l'adresse IPTRO, soit en mentionnant le nom de l'interface de sortie pour rejoindre ce routeur voisin. OK? Si, parce qu'on le connaît, est tracé, le voilà. Il est mentionné ici. OK, Haolik. Sage 24. D'accord? Maintenant, quelle est l'autre réponse fausse? Elle dit par rapport à la table de routage, par rapport à une chose qui apparaît en clair, la table de routage. Qui apparaît en clair. Ah non, les autres, non, répond. Mihobi, oui, Saparashi, oui. Gurdi Hajar, non. Parskhan, non. Bishop, oui. Bota, oui. Marskhan, maintenant, oui. Non. Marabas, oui. Voilà, Baraka Mleh. C'est bien expliqué. Comme dans la table de routage, il y a la route par défaut. Allez, la route par défaut. Où je m'attends? On lui dit que si tu ne connais pas la destination, si le paquet que tu as reçu contient une adresse de destination qui est inconnue pour toi, remets-le à ce voisin, de 72.16.1.4. OK. S'il y a une route par défaut, il ne va jamais abandonner un paquet. Il y a toujours un routeur à qui il va remettre le paquet parce qu'il ne connaît pas la destination de ce paquet, qui est le routeur 1.4. Donc, Anaya, il ne va pas y avoir abandon de paquet. Donc, elle est fausse. La première, elle est fausse. D'accord? La première, elle est fausse.
C'est bon? Maintenant, là, je vous ai aidé pour voir quelle est la bonne réponse entre ces deux. Entre ces deux, quelle est la bonne réponse? La deuxième ou la troisième? Il reste que une réponse de parmi ces deux. Réfléchissez laquelle qui est juste par rapport à, bien sûr, à l'adresse d'une station qui est 9.4. Oui, Marie aussi, c'est bon. Marstran Marabat aussi, Boutaoui, Gozim aussi. Et donc, à l'adresse, est-ce qu'elle est connue par le routeur? Est-ce qu'elle est connue par le routeur, à l'adresse, c'est-à-dire? Dans la table de routage, est-ce qu'il y a une route? La table de routage qui convient à cette adresse-là. Non, mais c'est bagage. Non, elle dit bagage. Maintenant, il va envoyer le paquet au routeur 1.4. Oui ou non? Il va envoyer le paquet au routeur 1.4. D'après, c'est une route par défaut. Donc, il va utiliser la route par défaut. Pour joindre 1.4, voilà donc ce qu'il doit faire. Le réseau 1.4, il est là. C'est un réseau qui lui est connecté directement. C'est le réseau 72.16.1.0. Et comment va-t-il joindre le réseau 1.0 en envoyant les messages par l'interface F00, oui ou non? On le voit en air. 1.4, c'est F00. Pour joindre le réseau 1.0, afin de joindre le routeur 1.4, on doit passer par l'interface F00. Donc, maintenant, il ne pourra pas transférer par F01. Elle dit non. C'est écrit F01. Donc, elle dit non. F01, c'est pour joindre le réseau 2.0. 2.0, Ada. Et non pas 1.0. Donc, comme elle dit, elle est fausse, la bonne réponse, c'est la réponse générale. Et il y a le routeur transfère le paquet au prochain routeur, au classe, sans préciser lequel. Les 1.4, les WAD 1.4. Et le tronçon suivant, c'est celui-là. C'est le 1.4. Elle dit que c'est la réponse juste, qui n'est pas bien sûr détaillée. C'est le fonctionnement général du routage. Un routeur, pour faire le routage, il va l'envoyer au routeur voisin, au RLAS, sans le préciser. Du moment que les trois sont fausses, elle est juste. C'est une réponse générale, c'est vrai. Mais elle est juste, parce que les autres sont toutes fausses. Il ne va pas abandonner le paquet, parce qu'elle a une route par défaut. Il ne pourra pas communiquer avec un réseau, parce que ce n'est pas possible. Il ne pourra pas la faire envoyer à travers F01, parce que F01 permet de joindre le réseau 2.1. Et, bien sûr, en suivant, c'est ça, c'est ADER. Et là. Et, il ne reste que la réponse 3. Donc, la réponse est la réponse 3. Voilà. Voilà ce qui termine donc cette première partie du TD. On poursuivra le TD la prochaine séance. Et donc, on va prendre une pause de 5 minutes avant de faire 3 minutes pour le prochain chapitre. Tu as pour pouvoir faire d'autres TD la prochaine fois. Donc on fait une pause à 5 minutes, hein, avant de reprendre jusqu'à 11h.